Ok, alors, suite du programme. Donc, Schluck. Hop, voilà. Alors, vos premières questions en direct. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Alex, Axel? Je dis Alex, c'est Axel, pardon. Ok, Axel se manifeste. Donc, Schluck, je te redonne le micro. Ah, on m'entend bien? Oh, ouais, on t'entend bien toujours. Donc, j'ai une petite question, Ouais. parce qu'en fait, j'ai reçu deux harmonicas de mon arrière-grand-père. Donc, ils ont plus de 120 ans. Et en fait, je ne sais pas si on voit bien, il y a de la rouille dessus. Je ne sais pas comment je pourrais rafistoler ça. Si vous savez, parce que le bois, il est sec, il est pratiquement mort, il se décolle. Et en fait, je voudrais quand même rejouer dessus, mais j'ai peur même de casser les hanches à l'intérieur, tellement qu'il est vieux. Voilà, Je la sais. seule solution, c'est de l'amener à un vendeur d'harmonica et puis lui en parler, mais il faudra qu'il le voie. Mais si vraiment le bois est foutu, ça va être difficile de. Le bois, ça va encore, mais il commence à se Pardon. craqueler à l'intérieur, à se détacher. Donc, Ah non. je les ai depuis un petit moment et j'ai peur d'en jouer, en fait. Ouais, je me doute, ouais. Enfin, De beau. après, ce que le fait d'en jouer, ça va beaucoup les amener, peut-être pas, mais en tout cas, les hanches qui sont à l'intérieur, à mon avis, elles sont foutues depuis très longtemps et. Non, mais je peux comprendre, hein, le côté sentimental d'avoir un instrument de musique qui vient de l'arrière-grand-père, mais je crois que le mieux pour le sauver, c'est carrément d'aller voir un vendeur d'harmonica et lui en parler, quoi. Et parce qu'ils sont souvent en contact avec des gens qui refont des harmonicas, quoi. Moi, j'en connais quelques-uns, mais ils sont plutôt spécialisés dans le diatonique et pas dans ce modèle-là, qui est plutôt un modèle trémolo, si j'ai bien vu. Ouais, c'est un trémolo, ouais, c'est ça, Ouais. à deux faces. Ouais. À deux tonalités. Donc, non, là, le mieux, c'est d'aller voir un vendeur d'harmonica puis Ouais, de lui en parler, quoi. ils ont encore un bon son, mais j'ai peur vraiment avec le bois, il est super desséché. Non, puis après, le fait de remettre de Commence la à salive rouiller. dedans, le fait Ouais. de remettre de la salive dedans, ça risque de déformer le bois. Et puis, puis ça, de toute façon, je pense que les hanches, à mon avis, c'est pareil. Il faut peut-être aussi les régler de façon qu'elles soient Chauffer, ouais. bien dans l'axe, etc. Et c'est vrai que. Si on fait pas ça, si on le prend tel quel, ça risque de abîmer encore plus, même s'il est déjà très abîmé. Je pense que ça vaudrait le coup. Alors après, bien sûr que il existe toujours des modèles qui sont refaits comme ça, quoi. Ouais, comme l'écho, celui que j'ai, je l'ai retrouvé sur Internet en Voilà. racheté. C'est vrai que bon, voilà, si c'est l'harmonica de l'arrière-grand-père, ça peut être sympa de. Donc, mais c'est vrai que j'ai personne sous la main en tout cas pour les échos, mais je pense que c'est ça la meilleure démarche, c'est d'aller voir un revendeur d'harmonica, lui en parler, quoi. Ok? Bon, merci beaucoup. Mais pas de souci. Pas de problème. Ok, d'autres questions? Pas pour le moment. Non. Ah, Evelyne arrive. Bonsoir, Evelyne. Ok. Bon, alors on passe à la suite.